La deuxième thématique, je l'avais déjà annoncé, c'est la culture de l'excellence appliquée aux élèves. Pourquoi nous l'avons intitulé appliquée aux élèves? C'est pour que vous compreniez que quand on dit culture de l'excellence, c'est une expression globalisante qui prend en compte les acteurs qui gèrent le système. Donc, il y a la culture de l'excellence appliquée aux décideurs de l'éducation, la culture de l'excellence appliquée aux parents, la culture de l'excellence appliquée aux enseignants et la culture de l'excellence appliquée aux élèves. Alors, comme je ne suis pas devant les enseignants, ni devant les parents, ni devant les autorités, c'est de la culture de l'excellence appliquée aux élèves qu'on nous demande de développer. Alors, avant ça, je vais demander qu'on joue une musique là juste pour quelques secondes. Ce n'est pas que vous dansez. Si vous voulez danser, après on va sortir pour danser avant de partir. Mais c'est pour que vous soyez concentrés pour écouter très bien ce qu'on a dit dans cette musique. Parce que j'aurai des questions à vous poser. Donc, on peut aller. Tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver. Tu dois encore aller plus loin, plus haut.
plus haut et plus grand. Et donc, on va prendre trois élèves par rangée, Ce que vous avez noté dans la chapitre 5, moi je ne le savais pas avant que je ne rentre dans la thématique sur la culture de l'excellence appliquée aux élèves. Ici, oui. La vie fait le bien. La vie fait le bien. Je ne sais pas si tu as bien entendu. Oui, derrière. Dans en fait, cette chanson, moi j'ai pu noter que le travail fait du bien. Dans la vie, nous devons nous efforcer à faire tout pour pouvoir y arriver. Pour y arriver, nous devons toujours travailler. Et nous devons aussi faire bien tout ce que nous faisons, puisque ça résulte de bons résultats. Merci. Un bon pour elle. C'est ça qu'on appelle, ce que je viens de faire là, c'est ça qu'on appelle exploitation pédagogique du feuilleton. C'est comme le feuilleton là. Il y a l'exploitation pédagogique des feuilletons. Les gens suivent les feuilletons, c'est juste pour leur plaisir des yeux, des oreilles. Voilà. Les garçons veulent voir les belles filles sur les, dans les feuilletons. Comment elles sont habillées. Voilà. Si elles ont laissé un peu leur partie intime, leurs yeux sont fixés là-bas, leurs oreilles n'entendent pas ce qu'on dit. Vous voyez? Exploitation pédagogique. Exploitation pédagogique. Ouais, un jour, j'ai dit à ses parents, est-ce que vous savez que c'est pas la peine de fermer votre télé là tout le temps comme ça, non? Il dit, non, moi, quand la parade commence, pas question. Je dis, ok, on va faire une émission. Je suis allé prendre un extrait de 2 minutes d'une séquence, d'un feuilleton de 55 minutes. J'ai pris une séquence de 2 minutes et j'ai pu venir projeter en vidéo la séquence. Et maintenant, on a ouvert le débat. Que dit la séquence? C'est une famille qui a 2 enfants, une fille et un garçon. Mais la maman est plus riche que le papa parce que la maman est héritière. Maintenant, le garçon, lui, il travaille déjà. Maintenant, la fille, quand elle est arrivée au bain, on l'a envoyée dans un autre pays pour fréquenter. La fille s'appelle Nanda. Quand la maman prend son téléphone, appelle Nanda, donc à l'université. Nanda, comment tu vas? Elle dit, maman, ça va très bien. Les études, ça se passe bien. Oui, maman, ça se passe bien. Alors, et ta santé? Non, il n'y a pas de problème, je me porte très bien. Une fille étudiante, toi, maman, tu ne lui demandes pas s'il y a un garçon qui rôde autour de lui. Mais il y a un problème. Tout ce qui était, il y avait des inspecteurs, des enseignants dans la salle, le débat a incriminé la maman. C'est elle qui est responsable de ça. Sinon, si tu as préparé ton enfant, elle va se confier à toi pour dire, il y a telle personne qui est autour de moi, voilà ce que la personne est, voilà ce qu'elle fait, et tu vas orienter et guider l'enfant. Aujourd'hui, question de sexualité là, c'est devenu sujet tabou dans toutes les familles. Il y a un problème. Ouais. Et donc, Nanda, connaissant sa maman, est rigoureuse, n'a pas appelé le papa. La maman plutôt. Et donc, elle prend le téléphone et dit, papa, est-ce que tu veux me croiser à la gare? Vous savez que quand vous allez par exemple dans les pays européens, pour aller par exemple de Paris en Suisse, c'est le train, tu n'es pas obligé de prendre l'avion. Et donc, elle appelle la maman et le papa plutôt, papa, est-ce que tu veux me croiser à la gare? Papa dit, mais ce n'est pas encore la fin de l'année. Il dit, oui, papa, quand je vais venir, je vais t'expliquer. Et donc, papa est allé rencontrer Nanda à la gare. Nanda sort du train, le ventre bien ballonné. Et le papa a failli tomber en syncope. Nanda dit non, papa, on va marquer une pause au cabaret ici. Et quand ils ont marqué la pause, Nanda sort aspirine pour donner à papa. Prends l'aspirine pour boire parce que je vais te dire quelque chose. Et mais le papa dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Nanda dit non, ce n'est rien, ce n'est qu'une simple grossesse. Vous voyez comment vous, les enfants, là, vous banalisez les choses sérieuses dans la vie. Que ce n'est qu'une simple grossesse. Ouais, les choses sérieuses dans la vie, vous paralysez. C'est comme ça que vous avez foulé ce que tu as fait de sacré. Vous les enfants, vous avez pris ça comme des jouets d'enfants. Ouais, la sexualité, les grossesses précoces, les conneries que vous faites là, arrêtez ça. Celui qui veut aller loin, au plus haut là, nous l'avons dit, il doit guérir de la corne, guérir du sexe, guérir de la drogue, guérir de la colle. Sans ça, tu vas rejoindre Satan. Je ne sais pas qui a envie de rejoindre Satan. Ah, ok. Alors, maintenant,
d'aller voir à la maison. Ils sont arrivés, maman était avec sa petite soeur et son mari. Et dès qu'ils ont ouvert la porte là, la maman voit Nanda qui vient avec le grand ballonné. La maman regarde Nanda. Elle dit Nanda. Nanda devait s'imaginer ce qui devait arriver. Non. Et à un moment donné là, la maman fait grand écart. Karaté. Les pieds, les mains sur le fond de Nanda. N'eût été l'intervention des deux, la maman allait tuer Nanda le jour-là. Mais là, l'erreur qu'il a commise, c'est quoi? Bon, le jour où je suis avec les parents, j'ai trop de choses à vous dire. C'est pas. Je vous assure. J'ai même à vous dire plus que les enfants. Franchement. Parce que là, on est là. On doit créer désormais l'école des parents. Si on ne crée pas l'école des parents, le désastre nous concerne. Mais ce que je suis en train de vous dire, j'ai déjà déclenché l'école des parents. Quand vous allez créer la plateforme, je vais vous envoyer les communications là. J'ai déjà tout dit. Et maintenant, on va faire un programme national, comme on est en train de faire, sur la culture de l'excellence. Pour que les parents comprennent qu'ils doivent aller à l'école des enfants et aller à l'école des adolescents. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous qui faisons la recherche d'action, c'est nous qui allons vous dire ce que vous devez faire. Oui, c'est vrai, on doit tout. Si on ne va pas vers là, les parents sont déjà dépassés par les événements. Ils sont déjà dépassés. Les parents, les enfants sont venus laisser sur les épaules à la maison. C'est eux qui prennent les commandes. Ils ont renversé. Donc ils ont fait coup d'état aux parents. J'espère que ce n'est pas le cas pour les élèves qui sont ici et des établissements donc, d'où vous provenez. Ça m'amène à ouvrir après une brèche. Donc, je suis obligé d'ouvrir beaucoup de brèches aujourd'hui quoi, parce que le temps ne permet pas qu'on puisse tout dire. On a pris les parents, les amis au laboratoire pour voir qui est digne d'être parent. Qui est digne d'être parent? Mais les gens aussi ont porté des noms comme ça, des titres ronflants comme ça. Mais quand vous voyez leur comportement, ils influencent négativement les enfants. Négativement. Et donc, il fallait voir qui est qui. Et donc, on a pris les parents, les amis au laboratoire. Et on a sorti 5 catégories de parents. 5 catégories de parents. Première catégorie, les parents nantis. Eux là, non, ils ont tout compris de l'éducation. Et donc, ils mettent tout pour l'éducation de leurs enfants. Après, on est allé aux parents traditionnels et autocratiques. Ce que mes grands-parents m'ont appris il y a 100 ans, c'est ça, je ne vais pas vous dire. On tombe sur la troisième catégorie de parents, les parents démissionnaires. Non! Ils ont laissé tout à la disposition des enfants, ça, voilà, ça c'est la, une partie ça. Les autres, ils ont l'argent, mais ils ne vont même pas mettre dans l'éducation pour les besoins des enfants. Vous voyez, comment vous pouvez, en tant que parent, les chefs de classement disent, bon, on a tel besoin dans l'école, parents s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me cotiser, ne serait-ce que 200, 200. Les parents répondent aux chefs de classement, on a dit que l'école est gratuite, donc ne nous dérangez pas. Comment ça? L'école est gratuite, vous venez, vous voyez les problèmes, vous ne voyez pas les problèmes. Vous voyez les problèmes? Ouais. Donc, il y a les parents démissionnaires. Donc, les démissionnaires, ils peuvent être des parents riches comme des parents pauvres aussi. Après, on tombe sur la quatrième catégorie de parents. Les parents accidentels. Les jeunes qui se sont dépouillés d'un fabriqué enfant. Eux là, ils sont dignes d'être appelés parents. On est en train de réfléchir pour trouver un autre nom pour vous. Sinon là. Le nom parent, on le porte avec honneur et dignité. C'est parce qu'un enfant est sorti de vos entrailles que l'enfant devait avoir un géniteur. Oh, papa, c'est pour ça qu'on vous appelle père et mère. Sinon là, vous n'êtes pas digne d'être appelé père et mère. Vous n'êtes pas éligible. Et maintenant, on tombe sur la cinquième catégorie, n'est-ce pas? Oui. Qui est le parent de référence. Ouais, ils sont à l'image de Dieu. C'est-à-dire, c'est le parent démocratique. Le parent démocratique, celui qui utilise le bâton et la carotte pour éduquer l'enfant. C'est-à-dire, quand la rigueur s'impose, c'est la rigueur. Quand il parle, l'enfant comprend. Quand ça s'impose et il dit ça, non, l'enfant a les oreilles perméables, il écoute. Ce que le parent dit ne frotte pas les oreilles, mais il rentre dedans. Donc,
Si vous êtes un enfant qui comprend, c'est comme ça que vous partez. Donc c'est ça le parent démocratique. Et la deuxième chose qui caractérise le parent démocratique, c'est le parent qui congratule aussi son enfant. Quand l'enfant va bien, mais on le félicite, on lui fait aussi des cadeaux éventuellement. Oui, voilà le parent démocratique. Quand Dieu a fait amener les enfants israéliens, comment ça s'appelle, en Égypte, c'était pour qu'ils soient dans le grand là-bas. Vous avez vu qu'ils ont vécu, non? Mais Dieu le voyait, Dieu savait bien, il ne savait pas. Il savait. Mais ils étaient en train de les préparer pour toute éventualité. Parce qu'il sait ce qui va arriver quand il va les amener sur la terre promise. Et donc, vous aussi, on est en train de vous préparer pour que vous preniez les responsabilités dans la société demain. Mais on ne prendra pas n'importe qui pour assumer des responsabilités. Non! Ceux qui sont dignes. C'est pour ça que si je devais écrire un article de cette séance en bon journaliste, je vais l'intituler De la vie de l'école à l'école de la vie. C'est le titre de mon article. De la vie de l'école à l'école de la vie. Je vous explique simplement. La vie de l'école, c'est quoi? C'est ce que vous êtes en train d'apprendre à travers les modes d'enseignement, les modes d'éducation dont nous en parlons. Les cours que vous recevez pour avoir les connaissances, les capacités à monnayer demain, tout ce que nous sommes en train de dire à travers les conférences d'actualité, c'est tout ça qui est par lesquels on essaie de vous préparer pour que vous assumez demain les responsabilités dans la société. Dans la société, ça c'est l'école de la vie, s'il vous plaît. On est en train de préparer pour ça. Et donc, on veut construire la République, le Togo de demain, avec des enfants qui sont, et qui sont, comment ça s'appelle, compétents et bons dans les matières, qui ont de bons comportements et qui ont compris qu'il faut faire la relation entre ce qu'ils appellent et ce qu'ils ont de demain. C'est ça. Ça, c'était juste une parenthèse. Maintenant, avant que je ne vous dise ce qui caractérise un élève qu'on appelle, ou bien un enfant qu'on appelle enfant d'excellence ou l'élève d'excellence, puisqu'on a bien dit culture d'excellence appliquée aux élèves. On ne peut pas sortir d'ici et puis quelqu'un te pose la question en tant qu'élève, bon, de tout ce qu'on a déballé là, comme je n'ai pas le temps, en deux mots, dis-moi comment on peut reconnaître l'élève d'excellence. Vous devez savoir ça avant de partir, n'est-ce pas? Mais avant ça, je vous ai bien dit, de la même manière qu'on a fait vos parents pour les mettre au laboratoire pour savoir quelles sont les catégories de parents, vous aussi, il va savoir qui est qui. Qui est qui, sinon c'est trop facile de dire, je suis là. Alors qu'il y a des enfants tués dans les écoles, des enfants tués dans les salles de classe. Voilà. Ils n'ont aucun objectif et ils viennent emmerder les professeurs. Alors, quand on vous a mis au laboratoire, on a sorti quatre catégories de l'œuvre. Quatre catégories de l'œuvre. Quatre catégories de l'œuvre. La première catégorie, c'est les élèves nantis. Comme leurs papas sont nantis, eux aussi sont appelés élèves nantis. L'élève nantis, c'est qui? Non, c'est l'élève qui est dans les meilleures conditions à la maison et les meilleures conditions à l'école. Donc, il sort de sa chambre climatisée, c'est l'élève nantis là, ça. Il va, on a déjà dressé la table, les cuisines, il a tout fait. Il mange et il rentre dans la voiture climatisée pour qu'on l'amène à l'école. Et sa classe est climatisée. Oui, s'il vous plaît. C'est ça. Je ne sais pas, vous aussi pouvez être des parents d'anti demain. Si vous lancez des défis, vous faites ça. Vous êtes un entrepreneur, vous placez des millions, des milliards par mois ou par an. Est-ce que c'est, ça va servir quelque chose? Ça sert bien? Oui. Et donc, ça c'est un anti. Quand vous allez au lycée de Tourcoing, la nouvelle école, au métier du numérique, l'école de Paris. L'école a fait 1 300 000 par an. Oui. Toutes les classes sont climatisées. Toutes les classes sont climatisées. Quand vous voyez, la qualité a pris combien de temps? Il y a un problème, on le dit, ma fiole, c'est allé. Il y a un problème. On est là, il y a un fiole, c'est allé. On l'a détruit. La deuxième catégorie d'élèves, on les appelle les élèves démoralisés. Les élèves démoralisés, c'est les élèves qui
ils trouvent toujours des arguments pour justifier leur passe. Que, tu vois, si je n'ai pas réussi, c'est papa qui a fait ça. Hein, c'est maman qui a fait. C'est les enseignants. Voilà. Que c'est mes camarades. Quand il m'a dit de faire ceci, etc. C'est les accusateurs. C'est eux ça. Ils se cachent derrière la paresse pour pouvoir cacher. Ils se cachent derrière des arguments, n'est-ce pas, pour cacher leur passe. Et celle qui se livre à la drogue, qui se livre à la sexualité, à l'alcool, puisqu'ils n'ont aucune vision, ils ne savent pas où ils vont. Ils naviguent à vue. Vous voyez, non? C'est ça. Donc c'est vrai ça. Maintenant, on tombe sur la troisième catégorie de l'homme, les élèves oisifs. Les élèves oisifs. Oisifs comme oiseaux. O-I-S-I-F. N'est-ce pas? Les élèves oisifs, c'est qui? C'est les élèves qui sont presque dans les meilleures conditions comme les élèves oisifs. Ils n'ont pas atteint le degré. Voilà. Mais c'est nous tous ici en presque. C'est-à-dire que nos parents font toujours l'effort de nous mettre quand même, de nous donner l'essentiel de ce qu'il faut. L'État fait l'effort de nous donner l'essentiel de ce qu'il faut pour que vous soyez à l'école et que vous puissiez apprendre et réussir. Mais ils ont une apparence dans leur vie. Il ne coûte rien et apparaît dans la capacité de travailler au bon niveau. C'est là, il va travailler aussi. Travailler jamais aussi. On tombe sur la catégorie de référence que l'État, le ministre, attend de chaque élève du Togo. Chaque élève du Togo, il s'appelle les élèves avertis. Élèves avertis. Première chose, l'élève averti ne touche pas la drogue. L'élève averti ne touche pas la drogue. L'élève averti est respecté du règlement intérieur. Donc, ça va maintenant terminer rapidement pour vous donner les trois éléments. Mais si vous voulez que j'ajouterai un quatrième, les trois éléments qui caractérisent l'élève d'excellence. L'élève d'excellence, il se reconnaît par ses aptitudes dans les matières. C'est-à-dire que sa plus faible note, c'est 16. Sa plus faible note, c'est 16. Quelqu'un m'a dit, mais et si je ne suis pas étoile? Je dis, mais si tu n'es pas étoile, tu peux ressembler au moins à un lycéen. Vous pouvez faire ça? Oui. Oui. Donc, si tu n'as pas tapé 16 ou 19, là, compte tenu du fait que tu es venu avec d'une classe à une autre, tu es monté avec des lacunes, là. Hein? Et tu as du mal à te débattre de la lacunes. Quand même, faire l'effort d'être proche pour voir des meilleurs. C'est ça le lycéen. Vous voyez? Donc, il se reconnaît par rapport aux matières. Et c'est performant dans les matières. Deuxième élément, il est respectueux du règlement intérieur. Il est respectueux des parents, des enseignants, des autorités. Ça, c'est l'élève excellent par rapport aux attitudes. Vous voyez que je suis en train de rejoindre les autres, ce que les autorités attendent de vous, non? Oui, que j'ai dit au début là. Donc, faites très rapidement le lien. Et le troisième élément, c'est l'élève qui sait faire la relation entre ce qu'il apprend et ce qu'il veut devenir demain. Tu ne veux pas sortir du système éducatif, tu vas dire que tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Vous avez les enfants de préscolaire, ils ont une idée claire de ce qu'ils veulent devenir. Et je pose la question à quelqu'un qui vient de réussir au bac. Moi, mon cher ami, qu'est-ce que tu comptes faire à l'université? Écoute, t'as même pas le même campus à Dimangora. Il va aller explorer le campus, ça va rien de Brasa. Il va aller explorer le campus voir comment, à l'époque, le ministre Kokoroba, en tant que président de l'université, non, il a changé la loi de l'université en un Eldorado. Quand tu arrives là-bas, tu te croirais au paradis. Tu as envie de t'asseoir, de jolis garçons, voilà, les routes dorées, tout ça. Non, c'est merveilleux. Voilà, bon, il va aller se contempler, il perd du temps, il perd de l'argent avant de voir ce à quoi il va s'approcher. Non. Il faut faire le lien. C'est pour ça que la deuxième thématique a porté sur les préalables et une orientation scolaire aussi. C'est pas pour rien qu'on a mis ça. Voilà, c'est à cause de la troisième dimension. Maintenant, si je dois ajouter une dernière dimension, c'est l'enfant qui craint Dieu. Oui, s'il vous plaît. Si tu crains Dieu, ton papa ou tes parents ne vont pas parler, puis tu vas leur répondre comme si c'était tes égaux. Non. Si tu crains Dieu, l'enseignant même peut parler, tu vas exécuter ce que l'enseignant dit. Et après, tu viens un enfant humble. S'il te plaît, monsieur l'enseignant. Ah, c'est vrai, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Mais vraiment, je veux comprendre vraiment ce que j'ai fait. Et puis, tu m'as infligé cette faute, quelque chose comme ça. La même chose pour tes parents. Oui, avec les parents. Vous voyez, les enfants qui ne savent même pas comment présenter des excuses, ni entre vous, ni à vos parents ou aux enseignants. Il y a un problème.
j'en suis conscient. Mais je te promets que vraiment, je prends l'engagement. Non, vraiment, ça ne va pas se répéter. Ouais, ça c'est l'enfant d'excellence. Mais même on va le démoraliser là. Il va aller à l'école, il vient se dresser devant les parents. Dors mal à l'école, il va aller à l'école. Trois de l'enfant. Trois de l'enfant, dors mal à l'école. Au moins, on tombe sur le solo et il est dur. Sinon, on t'envoie un revers, là. Tu comprends pas que c'est pas comme ça, on demande. Il y a une méthode, il y a une manière de demander poliment pour montrer que tu n'as pas éduqué. Donc, voilà les trois points qui caractérisent l'élève d'excellence. Et le dernier que je n'ai pas l'habitude de donner, c'est celui-là. Il faut qu'un Dieu, c'est important. Il faut qu'un Dieu, il faut connaître ce que Dieu attend de toi en tant qu'enfant vis à vis de tes parents. Tout est dans la Bible. Oui. Quand on prenait Élie, par rapport à l'éducation, Élie que l'Esprit Saint a étudié, a fait des merveilles. Vous avez vu ce que l'on a fait de lui? Oui, il a failli là-bas. Il a failli. Tu sais pas, on va l'appeler parent d'émission. Oui. Donc, c'est sur ce, monsieur le pasteur, que je vais faire aux deux thématiques en espérant que deux ou trois questions, on va dépasser ces questions. Voilà, s'il y a d'autres questions, quand le panel sera créé, posez toutes les questions là-bas, j'aurai le temps de vous répondre. Et si je n'ai pas certaines réponses, je trouverai des spécialistes pour vous donner des réponses. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. Merci. D'accord, merci, merci. Non, je suis sûr que vous avez suivi avec attention, mais vous avez toujours des inquiétudes, des points d'ombre à éclaircir. Là, on vous donne la chance de poser quelques questions. Compte tenu de l'agenda un peu serré, on va seulement prendre 5 questions. Et ça sera interactif. Une fois qu'on pose la question, il va essayer de répondre sur le champ. Elle a dit quelque chose qui m'amène à vous rapporter quelque chose que j'ai vu quand je suivais ma collègue Nice hier samedi sur le passé. Elle a reçu une dame dans l'émission de Malade. Et la dame dit que sa maman est docteur, elle allait souvent à l'hôpital. Quand elle a observé la maman, elle s'est dit que elle va choisir. Quand je parle des sources d'inspiration, c'est ça que je vais vous dire. Elle va choisir un métier qui va réduire le nombre de ceux qu'on amène à l'hôpital. Qu'est-ce qui amène les gens à l'hôpital? Elle m'a dit non. Il y a les catastrophes créées par l'homme et les catastrophes naturelles, n'est-ce pas? Donc, elle allait faire un master en gestion et prévention des catastrophes. Vous avez vu? Elle a observé sa femme. Et voilà ce qu'elle a trouvé. Elle allait faire. Elle a vite même trouvé du boulot. Ouais, c'est ça. Maintenant, par rapport à toi, à ta préoccupation, non, il faut bien sûr. Heureusement que tu m'as été adressé. On va mettre ça sur YouTube et on vous enverra le lien de l'internet. Tout est passé ici sur les plateformes que vous avez créées. Et tu vas réécouter. Ouais. Tu ne vas pas attendre qu'une entreprise fasse la promotion des compétences de quelqu'un. C'est de savoir quelles sont les entreprises qui existent d'un secteur à un autre. Il y a les métiers porteurs, j'avais parlé. Les métiers du numérique, par exemple. Je vous dis que on n'a même pas occupé le tiers des métiers du numérique. Les métiers du numérique, il y en a tellement. Les gens sont dans leur maison. Ils ont créé entreprises numériques. Ils ont des marchés, ils font des prestations et on leur envoie seulement l'argent sur leur compte. Moi, je ne connais pas de jeu. Donc, si vous voulez, je peux aller dans les archives de la télé. Je vais sortir des reportages pour aller sur certains jeux qui ont embrassé le métier de numérique. Les métiers du numérique. Ils sont dans leur chambre à la maison. C'est là leur bureau. Et ils travaillent à l'international. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la peine de dire attendre qu'une société. Non. C'est de savoir d'un secteur à un autre, quels sont les chaînes de valeur de ce secteur. Agroalimentaire par ici, environnement par là, etc. Donc, une fois, il y a posé la question à un jeune. Mais quand tu suis la télé là, qu'est-ce qui te
choque, qu'est-ce qui t'intéresse? Il dit, mais ce qui me choque, c'est quand on coupe les arbres, on tue les animaux là, ça me choque. Il dit, ah, ok, tu vas. Tu sais ce que tu viens de me révéler? Tu viens de me révéler ta vocation professionnelle. Que tu vas devenir un ingénieur en protection de la faune et de la flore. Ce qu'il avait à la télé, là, lui, les gens ont vu les animaux seulement et les arbres l'ont coupé. Moi, j'ai vu l'orientation derrière. Et vous dites que, je vous dis, regardez les choses avec la loupe, s'il vous plaît. Regardez avec la loupe. Quand moi, je suis des films, les feuilletons, c'est des sujets de SVT, je vois. C'est des sujets de français que je vois. C'est des sujets de que je vois si j'étais élève. Vous voyez? Même vous, vous voulez voir comment on traite les filles, comment on tribue les hommes, etc. C'est ça, tout ce qui est lié à vos sentiments-là. C'est ça que vous voulez voir dans les feuilletons des filles. Non, il faut changer de partie. Vous voyez? Donc si vraiment j'ai une opportunité à lui donner, ça je peux le dire. Et autres, on leur donne plus que des vies ou des trucs comme ça. Maintenant,
Tu finis ça, il y a des documents. Il faut lire, tu es à l'école, il faut apprendre. Après ça, c'est pas fini. C'est là pour que je suis en train de dire comme ça. Je n'ai pas encore cité l'argent. Vous avez vu l'or dans lequel je suis en train de citer là. Je n'ai pas encore cité l'argent. Maintenant, est-ce que tu as des opportunités pour apprendre? Ici, c'est une opportunité pour apprendre. C'est quoi que je viens de faire là? Ça, c'est une opportunité. Ça va, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire quelque chose quand même dans ta tête, hein, par rapport au problème auquel tu es confronté. Et le dernier moyen, c'est l'argent. Nous avons mis l'argent, Togolais là, quand on veut créer quelque chose là, on dit qu'il n'y a pas de moyen. Il peut lui mettre les charrues devant le pays, il veut le réussir. Il va pas réussir. Il va pas réussir. Vous voyez? Quand j'ai créé le réseau, j'ai appelé mes collègues. Ils sont des organes publics et privés. C'est mon argent que j'ai pris. Et on a fait le lancement, on a fait tout. Je leur ai dit, mes chers amis, nous sommes des jeunes spécialisés en éducation par défaut. Il faut, on doit bosser pour être des jeunes spécialisés en éducation par mérite. Je vous dis, c'est une seule fille qui a écouté ce que j'ai dit. Elle s'est appliquée. Je lui donnais des tonnes de travail. Quelquefois, c'était vers 23h, minuit, elle rentre à la maison. Elle pleure quelquefois. Je m'en fous, je la regardais. Elle peut faire du travail. On va gagner de l'argent comme ça. Je lui donne rien. Oui. Mais c'est de l'éducation que je lui donne. C'est pas parce que ton patron a gagné l'argent que tu vas partir avec toi. Non, c'est pas comme ça. Vous les jeunes, vous êtes pressés d'avoir la maison, vous êtes pressés d'avoir la voiture, vous êtes pressés d'avoir les portables, et puis vous vous livrez à ceux qui vous entraînent dans des vices de la vie. C'est pour ça qu'on vous dit arrêtez ça. Arrêtez, si vous êtes bon, vous bossez, demain sera bon, parce que celui qui va vous ouvrir la porte, il est là, c'est Dieu lui aussi, il est là pour ouvrir la porte. Et donc, la dame, la demoiselle là, elle a fait 4 ans, 5 ans avec moi. L'année passée, l'UNICEF ouvre un poste et elle postule. Elle a postulé, on m'a envoyé en tant que personne ressource de témoigner d'elle. J'ai témoigné 4 pages. Elle est recrutée à l'UNICEF, elle a un salaire qui me dépasse largement. Vous avez vu le parcours qu'elle a accepté de faire avant que Dieu lui ouvre la porte? Parce qu'il ne veut pas dire que c'est moi qui fais. Non. Oui. Elle a foi en Dieu. Et c'est quelqu'un qui est très religieux aussi. Elle prie aussi beaucoup, etc. C'est pour ça. Ne vous mêlez pas de conneries dans la vie. Donc, vous êtes une solution. Rien n'est impossible. Si vous connaissez le contenu du mot moyen, tel que je vais le décliner là, vous allez vous en sortir. Rien à faire. Merci. Le professeur vient de poser un problème sérieux de la jeunesse de presse. Sérieux de la jeunesse de presse. On vous voit sur les réseaux sociaux, vous avez votre smartphone, tout le monde, tout le temps, vous avez les yeux rivés là-dessus. Il suffit seulement d'aller regarder ce que vous regardez. Et on va se rendre compte que franchement, tout ce qui est lié à votre libido là, votre sensibilité, c'est ça qui vous intéresse. Puisqu'on a mis ça en pâture sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qui est sexualité là, c'est versé sur les réseaux sociaux, les YouTube, etc. Mais la dernière fois quand j'étais à la parole, j'attendais que le DM vienne me chercher, parce que c'est lui qui vient me chercher à l'hôtel pour qu'on aille dans ses comptes. Et je vais sur YouTube. Qu'est-ce que je découvre? Quand j'ai cliqué YouTube d'abord, il y a des images de sexualité. Quand vous êtes connecté, c'est ça. C'est ça, les gens qui viennent plus d'abord. Ça veut dire. Donc, j'ai passé rapidement et je tombe sur un fait. C'est quoi en réalité? Vous avez vu, quand vous allez les voir, quand ils vendent les riz en sac là, il faut regarder sur les riz, celui sur lequel on a mis Made in India. Venu d'être là. De l'Inde. Quand je vais verser la vidéo, parce que j'ai téléchargé, quand je vais verser ça sur votre plateforme, vous allez voir l'importance de l'exploitation pédagogique des réseaux sociaux. Je dis bien exploitation pédagogique. Qu'est-ce que j'ai vu? Les Indiens se disent, les pays sous-développés là, ils ont besoin de manger du riz, non? Ok, nous on va passer les chaînes pour dire qu'on va cultiver le riz. Quels sont les pays qui produisent en quantité industrielle le manioc? Et donc, ils ont lancé et puis les gens ont produit du manioc et ils achètent 10 tonnes.
on peut aller des titans d'ici à Lomé. Et donc, l'usine de transformation là, ça rentre, ça passe par ici, ça passe par ici. Au finish, c'est le riz qu'on a fabriqué. Donc, le riz de l'Inde, comme vous voyez là, c'est fabriqué à base du manioc. Ça va faire réfléchir en principe. Un jeu pour se dire, mais tiens, mais ces gens-là, ils ont trouvé une solution. Donc, c'est des entrepreneurs. Ils ont réfléchi. Ils ont trouvé qu'il y a un besoin, ça se fait. Ils ont réfléchi, n'est-ce pas? Ils ont trouvé une solution et ils portent la solution. Voilà des entrepreneurs. Ça, là, c'est une entreprise de milliards. Ils vont faire des milliards. Tout le temps, c'est à Imor, nous mangeons. C'est pas ça. Bientôt, vous allez sortir d'ici. Les femmes vous attendent pour manger le riz et bien là-bas. À base du manioc. Alors, c'est pour revenir à ce que le professeur a dit tout à l'heure, que s'il vous plaît, voilà, s'il fallait même pas jeûner vraiment pour vous supplier là, vous allez le faire. Mais je vous dis que vous faites du tort quand vous négligez l'actualité. Oui, c'est pas parce que je suis dans que je vous dis, mais vous faites vraiment du tort. Un bon élève, quand vous allez regarder l'autre document que tu devrais appliquer à l'élève là, vous allez voir une des recommandations, un bon élève d'excellence doit avoir quoi? Le cahier média.